Bonjour à tous. Je vous fais un peu. Ah, bonjour à tous. Pas la peine de me présenter, donc Sébastien. Ah, tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année et beaucoup de bonheur pour vous et votre famille. Alors, si vous avez reçu cette vidéo, c'est parce que vous êtes dans mon estime et que j'ai du respect pour vous, mais aussi à certains pour que vous puissiez un peu me connaître. On sait qu'on ne connaît jamais assez une personne. Voilà, nous y sommes. Nous sommes dans une nouvelle année, en 2018. Et comme je voulais vous le souhaiter, autrement par le biais de cette vidéo, ben certains me diront, ben, je suis malade. Certains me diront, ben voilà, c'est bien. J'ai toujours été un peu spécial, ben, ceux qui le connaissent en tout cas. Et voilà, ben, j'ai voulu faire une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Passons les détails. Comme je viens de dire, je veux être un peu différent. Je sais que chaque année, vous recevez certainement plein de SMS via WhatsApp, Viber, sur votre téléphone ou des mails. Mais j'en suis sûr, vous n'avez jamais reçu une vidéo pour vous souhaiter une bonne année telle comme celle-ci. En tout cas, j'essaie de faire le mieux possible. Je ne suis pas un pro de la vidéo, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un journaliste, je suis pas un... Voilà, j'essaie de, en tout cas de faire le mieux possible cette vidéo. En tout cas, merci de la visionner jusqu'au bout. Tout d'abord, voilà, comme je me répète, ben, je vous souhaite le plus grand bonheur pour vous et votre famille pour cette nouvelle année. Surtout la santé, mais aussi tout ce que vous désirez. Les phrases basiques, bien sûr, que l'on dit chaque année, mais moi je vous le dis du fond du cœur. Oui, chacun se le souhaite, mais pensez-vous vraiment à ce que vous dites. 2017 est terminé, et c'est un grand soulagement pour moi. L'année 2007, pour moi, ça a été vraiment une année assez négative, triste malheureusement. Bien sûr, je ne suis certainement pas le seul à avoir passé une mauvaise année. Ne soyons pas égoïstes, oublions. Comme vous le savez, j'ai perdu mon père, ça fait déjà 8 mois, et j'y pense quotidiennement. J'ai eu des soucis de santé aussi, mais voilà, ça va mieux heureusement. J'ai eu aussi quelques soucis à mon travail. Heureusement, grâce à Dieu, tout se passe très bien. J'ai repris mon travail. Donc voilà, je ne dois pas être aussi négatif que ça, finalement. Je vous le dis fermement, j'ai un certain moment, j'étais pas bien dans ma peau. J'ai voulu partir, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en réfléchissant, je trouve cela si lâche. Partir en laissant 2 enfants et une femme, et encore ma famille, sans vous oublier évidemment. Pour moi, avoir des amis, c'est très important. Bref, l'année 2017 est l'année que je résume de négative. Peut-être le gros mot d'enfer, je ne sais pas. Mais voilà, on fait vraiment un trait dessus et en route pour 2018. Alors, je fais cette vidéo parce que 2018, ça sent bien. Et voilà, j'espère que tout se passera bien pour moi, pour vous aussi. Et au moins, j'ai une trace de ce que j'avance, ce que je vous dis aujourd'hui. 2017 m'a appris beaucoup de choses suite à la mort de mon père. Elle m'a durci, elle a appris à me battre et à retrouver l'homme que j'étais dans ma jeunesse et de retrouver un moral d'acier. Et oui, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. C'était impossible de continuer à vivre, surtout ici, les dernières semaines de 2017. Nous sommes à l'automne, les jours sont sombres, très peu de soleil, comme vous avez pu le constater, tous les jours de la pluie. Je pense que le mois de décembre a été le mois le plus sombre de l'année, point de vue climatique bien entendu. Donc évidemment, ça joue sur le moral. La bougie en moi, elle fut presque éteinte, et ça c'est inadmissible. Je ne pouvais pas continuer comme ça.
Alors j'aimerais vous dire que toute ma vie, je me suis battu pour réaliser mes rêves et d'accomplir mes défis et de persévérer. J'ai presque tout réussi, sauf une chose, c'est revoir mon père. C'est la seule chose auquel c'est impossible de le revoir vivant en tout cas. Mais il est quand même au fond de moi-même. Je sais que son esprit est quelque part ici dans ma maison. Il est chez moi aussi, chez ma mère, on va dire chez mes parents. Mais voilà, la seule chose, c'est que je ne peux pas lui parler. Il ne sait pas répondre. Voilà, c'est le seul défi que je n'ai pas su réaliser. Mais c'est comme ça. En tout cas, c'est ma plus grande déception. Mais qui m'a fait avancer, en tout cas. Alors, j'aimerais quand même vous dire que tout est possible dans la vie. Rien n'est impossible. Tout ce que vous avez envie de réaliser, de faire, doit être fait. Ne jamais remettre à demain. Ça, c'est une chose que j'ai appris. Ne jamais remettre à demain. Si vous avez quelque chose dans la tête que vous avez envie de le faire, il faut, si vous avez le moyen, c'est de le réaliser. Il y a beaucoup de choses, vous savez, que j'ai voulu faire quand mes parents étaient là, quand mon père était là en tout cas. Et que ce soit mon père ou moi-même, on s'est dit, bon, on fera ça plus tard, plus tard, plus tard. Et finalement, voilà, je regrette beaucoup que celles que j'ai voulu réaliser avec mon père ne se sont pas faites. Et ça, c'est quelque chose de très dur, en tout cas. Voilà, mais c'est comme ça. Donc, ce que je viens de dire, ben, ce que vous avez envie de faire, ben, essayez de le réaliser, en tout cas. Voilà. Donc, comme je disais, le décès de mon père m'a endurci, malgré une tristesse immense, mais qui m'a ouvert les yeux sur demain. Et pour cette nouvelle année, il y aura du changement. Je veux réaliser et accomplir mes rêves, des défis. J'insiste sur votre aide également, que vous soyez toujours là, évidemment, ça fait plaisir. Comme j'ai dit, moi, avoir des amis, c'est très important. Alors, commençons d'abord par cette année 2018, par mon plus grand défi. Comme vous savez, j'organise des événements. Là, mon plus grand défi cette année, c'est mon événement, c'est mon Fort Boyard. Je veux vraiment réaliser l'année du top du top. Donc, réaliser vraiment un grand Fort Boyard, accomplir le summum, on va dire. Une des plus belles animations qui, je l'espère, fera plaisir des enfants et de tous. Je veux offrir faire passer un message aux jeunes, par mon Fort Boyard bien entendu, transmettre un savoir par le biais du sport et faire valoir la nature. Oui, faire valoir la nature. J'ai décidé de cette année, et ça fait des mois que j'y pense, c'est de me consacrer un peu plus à des choses qui touchent la nature. Alors comment? Alors, évidemment, je me pose toujours la question. Peut-être en lançant des clips, comme maintenant, des petits clips vidéo pour transmettre aux jeunes que la nature, c'est une chose immense, importante, que malheureusement, on laisse sur le côté, on n'y pense plus. Moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, de 2018, ce que je veux faire, c'est vraiment me consacrer à l'environnement et essayer d'apporter des choses que vous, peut-être, vous ne connaissez pas et que moi, je connais. J'ai toujours été très proche de la nature et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et de mon passé d'aventurier, oui, aventurier, que malheureusement ces dernières années je n'ai plus accompli, c'est que j'aimerais en tout cas retrouver cette passion de la nature et réaliser des défis sportifs au sein de l'environnement. Pour justement m'apporter une touche personnelle de bonheur, mais aussi un esprit d'acier et plein de motivation. Et j'ai remarqué, quand on est proche de la nature, ça vous donne une force terrible et immense. Voilà. Donc comme je vous disais, pour moi l'environnement, la nature, sont les plus belles choses de la vie. Elle nous transmet un savoir unique que nous ignorons, que nous ne respectons plus malheureusement.
Alors, par n'importe quel moyen, je veux commencer dès aujourd'hui à vous transmettre ce savoir. N'oublions jamais que nous, êtres humains, nous venons de la nature. Malheureusement, on oublie souvent. Comme on dit souvent, Dieu est grand. Il nous a donné une beauté, une terre que je dirais un paradis. Et justement, il faut préserver cet environnement. Malheureusement, l'homme a transformé, comme vous savez, à son image. Et il faut absolument changer ça. Bien sûr, c'est du blabla que je vous dis, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Car ce sont nous, adultes, qui devons transmettre aux jeunes le respect de tout. Le respect à un mot qui, malheureusement, dans tout, se perd. Moi, cette année, je veux vraiment transmettre ce mot, un grand mot, le grand mot respect pour aussi bien l'environnement, mais pour autrui aussi, pour les êtres humains. Parce que j'ai l'impression que parfois, ce mot, le respect, on l'oublie, voilà, on ne respecte plus rien. Aussi bien les jeunes ne respectent plus les personnes âgées. Ils ne se respectent même pas entre eux. Et ça, c'est bien dommage. Donc vraiment, à l'heure actuelle, mon plus grand défi, c'est vraiment que tout se passe bien. Voilà. Je vais terminer cette vidéo par une conclusion. J'espère juste qu'elle ne vous a pas fait trop rire, en tout cas. Je sais, je suis spécial. J'en profite de cette situation, justement. De toute façon, il faut que nous soyons tous différents pour faire un monde. Eh bien, voilà, je suis différent. Merci encore de m'avoir visionné. Je vous souhaite vraiment, du fond du cœur, le plus grand bonheur pour vous. Que tous vos désirs pour cette année soient réalisés. Mais aussi pour votre famille, bien entendu. Je terminerai cette vidéo le plus important pour vous, c'est la santé, parce qu'une fois qu'on n'a pas la santé, évidemment, ça joue beaucoup sur le moral. Ben voilà, j'espère que voilà, je suis déjà presque à 13 minutes de vidéo. J'espère que j'ai tout dit, que je ne me suis pas fait trop ridicule par cette vidéo. Voilà, on est en 2018. Il nous reste 365 jours. Voilà, j'espère que tout ira bien et qu'à la fin de l'année 2018, on passera tous ensemble le cap pour se réunir et justement me dire vos points négatifs. J'espère le moins possible des points négatifs. Voilà, en tout cas. Un gros bisou à tous et je vous souhaite encore une excellente année. Sébastien Callens qui vous aime. Ok? Ciao, bye bye. Je termine cette vidéo. Bye.